Donc en direct de Paris, docteur Jérôme Mouniangui est en direct avec nous. Docteur, bonsoir et merci énormément d'avoir accepté notre invitation et de nous donner l'occasion de parler avec vous dans cette émission. J'espère que votre micro est ouvert. Je vous dis bonsoir. Bonsoir Marius, bonsoir à tous les gens qui nous suivent, bonsoir à notre frère Thierry depuis Kinshasa. Alors docteur, c'est une nouvelle qui est tombée je pense hier où sur tous les réseaux sociaux congolais, votre nom a circulé le sauveur de l'humanité. Tout à l'heure, quand j'ai parlé avec vous dans les coulisses, et que vous m'avez confirmé certaines informations, je vous ai dit, j'ai eu des larmes aux yeux. Des larmes aux yeux de savoir qu'en ce moment où le monde a besoin d'une solution pour lutter contre ce qui nous arrive, quelque chose sort du Congo. Aussi petite soit-elle, c'est vous. Au Madagascar, le président de la République a parlé de cette plante magique qui peut sauver l'humanité, l'Artemisia. Et vous êtes l'homme Artemisia. Aujourd'hui, à l'OMS ou partout dans le monde, quand on parle d'Artemisia, c'est vous. Avant de revenir sur le Covid-19, docteur, est-ce que vous pouvez nous dire qui vous êtes, vous venez d'où, aujourd'hui vous êtes en France. Parlez-nous de vous. Merci beaucoup, Marius, surtout pour votre essence, je peux dire, de patriotisme aussi, de nous chercher l'information. On a toujours l'habitude d'être interviewé par les autres. Voilà, mais aujourd'hui, vous m'avez vraiment convaincu lorsqu'on a discuté. Alors, vous devez. Bon, je dis OK, j'y serai. Merci beaucoup, Nathan. Moi, je suis médecin. Je veux juste rectifier. Il y a toujours une erreur hein, avec le journaliste quand on dit il est de l'université. Il a étudié à Kinshasa. En fait, j'ai fini à l'université technologique Bell Campus sur la 8e rue de l'IMETE. Monsieur Bossekota. Voilà. Et voilà. Et puis, c'est là où j'ai eu mon diplôme. Mais à ce qui me concerne, je crois que à Kinshasa, mes professeurs me connaissent un peu. Je suis quelqu'un qui était déjà habitué depuis ma première année même d'études à médecine. Je passais mon temps au laboratoire. J'adorais beaucoup plus passer mon temps à jouer au labo, à apprendre beaucoup. Ce qui fait que déjà en troisième graduat, j'ai intégré la grande équipe internationale qui travaillait sur l'ulcère de Buruli, qu'on appelle ça les Mbasu. Les Mbasu chez nous à Kinshasa et partout au Bas Congo et ainsi de suite. Et je fais partie de ces chercheurs avec le professeur Kibadi, docteur Panzou. Ce sont les gens qui ont prouvé que voilà les Mbasu, ce n'était pas de la sorcellerie, mais c'était les mycobactériums. Donc ça, c'est je suis déjà en troisième graduat, donc j'étais déjà impliqué dans des grandes équipes de recherche avec l'IMT Anvers. Et je continuais toujours à travailler, mais passer beaucoup plus de temps à l'INRB, où je connais presque beaucoup de mes professeurs, et puis je fréquentais ce monde depuis longtemps. Et en 2011, dans mon parcours, là, j'étais toujours étudiant en médecine, et c'est pour la première fois que l'Organisation mondiale de la santé donne une mission à un étudiant. J'étais presque à la dernière année des terminales à l'université. Et je conduis une grande mission d'une grande étude épidémiologique dans la province du Maniema. Ça s'appelle même confirmation de l'endémicité de l'ulcère de Buruli à l'OMS. C'est là où j'étais recruté à l'OMS. Et nous avions mené ces études-là et qui ont été publiées dans des grandes journaux. D'ailleurs, c'est une revue américaine, le Mycobacterial Disease. Donc, un journal très influent, Impact Factor 8 ou 7, je crois, et de très haut niveau. Et c'est là où j'ai publié pour la première fois. Bon, à l'époque, j'avais aussi publié dans le journal comme les annales de médecine. Et pour la première fois aussi, je me rappelle, on a convoqué les étudiants. Un étudiant avait participé. Je me rappelle, c'était au Grand Hôtel, au Salon Congo. Il y avait une conférence. Et j'étais invité pour participer à un congrès. Les congrès s'appelaient les congrès internationaux des pathologies infectieuses et parasitaires qui est organisé par l'INRB.
Et j'étais parmi les premiers étudiants à venir présenter des résultats, ses propres résultats de recherche. Donc, je ne suis pas vraiment un nouveau dans ce domaine de la recherche et parfois mes professeurs ne sont pas surpris par ce que nous sommes en train de faire parce qu'ils disent, il est comme ça, on le connaît, lui, c'est comme ça. Donc, c'est vraiment mon parcours. Et Si c'est pas je vais une revenir. discrétion, docteur, vous avez quel âge? Aujourd'hui, j'ai 33 ans. Vous êtes jeune, très jeune. Moi. Alors, donc vous avez commencé les recherches très tôt, mais parlez-nous de votre rencontre avec cette plante magique, l'Artémisia. Ma rencontre avec l'Artemisia remonte en 2013. J'obtiens mon diplôme de médecine. Je participe à un concours. Ce concours s'appelle le concours international. C'est organisé même à Boston. Donc, il y a un concours qu'on appelle ça International Genomic Engineering Machine. Donc, c'est compétition internationale des machines génétiquement modifiées qui est organisée par Boston. Et là, je salue une fois de plus. J'étais toujours quelqu'un habitué avec un peu des autorités et c'est grâce à j'avais écrit à l'époque une lettre au président de la République et Joseph Kabila avec et à l'époque c'était le directeur de cabinet c'était Monsieur Gustave Beyassicou et j'avais eu toutes les autorisations avec Matata Ponyo et ainsi de suite ainsi que je suis parti représenter la République démocratique du Congo pour la première fois c'était en Boston donc voilà donc c'est ça n'a pas été trop médiatisé mais c'est le passé donc j'arrive à fin en 2013, j'obtiens donc je passe un concours international pour avoir la bourse de la milliardaire française qu'on appelle le cursus Bettencourt. Le cursus Bettencourt, c'est parmi les meilleurs cursus aujourd'hui que nous avons sur la planète parce que c'est les meilleurs professeurs qui bon, c'est passé à Paris, mais tout s'est passé en anglais. Les enseignements sont en anglais. Les professeurs viennent des États-Unis. Donc c'est un très bon programme où on recrute. On dit c'est presque les jeunes talents de toute de, sur en fait de, sur toute la planète. Et dans notre programme de bourse, nous étions 16 personnes qui ont ouais là la photo avec mon professeur Leboise. Donc c'était 16 personnes qui avaient et qui ont obtenu la bourse et j'étais le seul encore le seul noir de cursus Bettencourt pour avoir obtenu cette bourse et je suis venu à Paris en 2013 Et arrivé à Paris, je commence mon master. C'est master, oh ouais, c'est ça. Master en recherche interdisciplinaire du vivant. On appelle ça la biologie synthétique. Donc, c'est apprendre un peu à manipuler les microbes, les pathogènes, et surtout peut-être créer de nouvelles choses en fait. S'amuser un peu avec le vivant. Et voilà, c'est là où je commençais un peu à m'intéresser sur la plante. Et là, je suis tombé sur des publications, sur une dame ici à Paris. Et j'ai pris vraiment connaissance avec la plante. Je me suis intéressé. C'est ainsi qu'en 2000, toujours en 2013, je commençais à réaliser le premier travail au laboratoire ici à Paris, dans le laboratoire de Paris-Orsay. Ouais, exactement, c'est ça même. Ça, ce sont mes premières analyses au laboratoire. Et exactement, ça, on est en train de manipuler la plante. Ça, c'est les premières analyses qui datent de 2013. Je travaille déjà au laboratoire sur cette plante. Alors, j'étais en train de regarder, je travaillais sur les microbes en général. Ça doit les virus, les bactéries, les champignons, et ainsi de suite. Donc, toute une gamme de microbes, d'agents pathogènes. C'est ainsi que nous étions convaincus, moi et mes professeurs au laboratoire, pour que nous puissions travailler sur la plante. Et là, il y avait deux variétés. Il y a une variété qui vient de Chine, donc on appelle ça l'Artemisia annua, et une variété qu'on a aussi valorisé, qui est de l'Afrique, qui fait partie aussi du patrimoine médicinal africain, on appelle Artemisia afra. Pour moi, c'est mon premier contact avec la plante remonte en 2013 et dans un laboratoire ici à Paris. Alors, vous rencontrez cette plante, vous commencez à l'expérimenter en République démocratique du Congo, vous prouvez que c'est une plante qui guérit le paludisme sans effet secondaire et avec 99%, je sais pas quoi, de succès. Et là, vous êtes combattu par qui et pourquoi? Racontez-nous l'aventure, docteur.
Après les analyses au laboratoire, très convaincu par les résultats, je me suis dit, OK, je me lance. Je me lance pour plusieurs objectifs. Premièrement, c'était mon défi pour les gens. Peut-être il y a les gens qui sont là, ou il y a même beaucoup d'amis, hein, moi, qui sont en train de suivre, ils sont aux États-Unis. À l'époque, j'étais encore étudiant à Marius, à Kinshasa. J'ai organisé des rencontres, j'appelais ça les congrès des jeunes chercheurs, où les professeurs d'université devaient venir expliquer aux étudiants leurs recherches, en fait. Et là, faisait vraiment succès à tous les étudiants de l'époque 2011-2012. Et mon équipe à l'époque s'appelait les nouveaux paradigmes scientifiques. Donc, ça veut dire que j'avais toujours cette ambition-là de faire autrement la recherche. Et surtout faire de la recherche action. J'ai pas envie de passer mon temps à inventer de virus ou à faire des choses où je viens d'un continent, surtout d'un pays qui s'appelle la République démocratique du Congo, et moi que j'appelle aussi, c'est un scandale de microbes, c'est un scandale d'agents pathogènes, c'est un scandale de maladies. Quand vous regardez beaucoup de maladies que nous avons sur notre, dans notre pays, je pensais, moi, pour moi, l'idée, c'était de développer, de faire des actions, des recherches qu'on appelle les actions qui ont l'impact direct sur la population. C'est ainsi que ça qui m'avait motivé, et j'ai commencé à faire j'ai monté des essais cliniques, et je devais respecter les normes internationales de l'Organisation mondiale de la santé, qui est notre organe régulateur de recherche, ainsi de suite pour les prescriptions, par exemple. On peut dire même c'est le prescripteur international. Donc, connaissant déjà la maison, parce que j'ai travaillé pour l'Organisation mondiale de la santé, j'ai publié même avec les gens de l'Organisation mondiale de la santé. Donc, je me suis conformé aux normes. Et j'ai pris mon protocole, je suis rentré à Kinshasa, je faisais des va-et-vient, jusqu'à nous sommes en 2015, et je faisais des va-et-vient entre Paris-Kinshasa, pour l'obtention de ce qu'on appelle l'avis du comité d'éthique, qui est de l'école de santé publique de l'université de Kinshasa, et attaché au ministère de la Santé, et j'ai obtenu ce qu'on appelle le permis des recherches nationales. Ça, nous sommes en République démocratique du Congo, dans le ministère attaché au secrétariat général du ministère de la Recherche scientifique. C'est ainsi que nous avions conçu le projet, nous avons mené les essais cliniques, c'est dans la province du Maniema. Et au cours de ces essais, nous avons remarqué qu'il y avait deux faits qui sont vraiment très patents. C'est un, premièrement, le médicament qu'on était en train de comparer. Parce que quand on mène un essai clinique, vous devez comparer l'efficacité d'une plante avec un médicament standard, un médicament qui existe déjà. Et vous partez de l'hypothèse que soit votre médicament est supérieur, OK, il est bon, il est accepté, soit il est inférieur, donc vous devez peut-être l'améliorer. Et nous, on était surpris, franchement, j'étais surpris, étonné même par le résultat que nous avions obtenu. Ça, nous sommes en 2015. Nous avons travaillé sur 1000 patients, et puis après, la compilation de résultats, il y avait des patients qui étaient partis, qui étaient ainsi de suite, mais c'était pas facile à réaliser. Et c'est ainsi que nous avions observé, je disais, deux faits. Le premier fait, que le médicament qu'on commercialise en République démocratique du Congo, d'abord, a une efficacité inférieure. Donc voilà, ça c'est d'abord un. Vraiment, l'efficacité n'est pas comme on devait s'attendre à l'efficacité d'un médicament. Et ça, c'est de deuxième chose, la plante, elle était de loin supérieure. Elle était de loin supérieure aux médicaments qui étaient comparés, et surtout, sans beaucoup d'effets secondaires, efficacité à 80, au-delà déjà des 80, de 90%, donc c'était déjà énorme pour une plante médicinale. Et ce qui nous a poussé énorme, franchement, Marius, je me suis dit, moi, mariage entre l'Artemisia et moi, c'est pour toute la vie. Et je me suis dit, je donne ma vie, je donne ma jeunesse à faire la recherche sur cette plante. Et ces recherches ont été réalisées au Congo. Ont été réalisées au Congo. Alors, lorsque nous avons publié ce résultat des recherches, le premier à d'abord à s'attaquer à nous, c'était les revendeurs de médicaments sur le continent africain. Les petites sociétés indiennes et chinoises qui s'installent impunément sur le continent africain. Et surtout, voilà, ça c'est les difficultés de terrain. Je menais ces études vraiment avec beaucoup de difficultés, comme vous voyez, les Land Cruiser qui sont embourbés, ainsi de Oui, suite. Donc, donc vos premiers concurrents, des gens qui voulaient pas que vous puissiez vous installer, c'est des entreprises indiennes qui vendent des médicaments au Congo.
Exactement. Les entreprises indiennes et chinoises qui vendent les médicaments au Congo. Mais vendre le médicament, s'il faut respecter la réglementation, c'est pas normal, c'est normal. Mais vendre le médicament, et tout en sachant que ces médicaments ne sont pas efficaces, et surtout quand on sait qu'aujourd'hui, avec les rapports de l'Organisation mondiale de la santé, nous avons entre 150 000 et 200 000 Africains qui décèdent chaque année suite à la prise d'un faux médicament, il y a de quoi se poser des questions. Il y a de quoi se poser des questions sur la qualité de ces médicaments, sur notre, et aussi l'Eldorado, oui, Est-ce que vous pouvez l'Eldorado de ces nous chiffres, de dire, ces... docteur, parce que nous avons tellement de questions à vous poser, vous avez une très longue histoire à nous raconter, nous savons, mais est-ce que vous pouvez nous dire quel genre de menaces vous avez auxquelles vous avez fait face? Est-ce que c'était quoi et ça a fini comment? Et vous vous êtes retrouvé où? Parce qu'à un moment, je me souviens, après ces documentaires de France 24 qu'on a fait sur vous, on avait appris que vous avez été enlevé, qu'il y a eu des problèmes. Est-ce qu'il y a eu des problèmes? Qu'est-ce que vous avez subi exactement? Le problème, d'abord, les problèmes ont commencé lorsqu'on était en train de mener les essais cliniques. Vous savez, en République démocratique du Congo, c'est normal, en fait, c'est pas seulement en République démocratique du Congo, dans les systèmes des ministères, les gens ne vivent que des données. Des données. Alors, lorsqu'on a mené les essais cliniques, qu'est-ce qu'on a été constaté? Il y a même une publication, une grande publication sur mes essais qui ont été réalisés indépendamment, parce que peut-être les Congolais ne le savent pas. La communauté internationale avait demandé qu'il y ait une équipe internationale indépendante pour qu'ils viennent au Congo vérifier si ce que j'avais fait était valable ou pas. Et c'était l'Université de Bordeaux. Et ils ont fait un très bon travail et où nous avons démontré, lorsque nous prenons cette tisane, on réduisait drastiquement les taux de la prévalence de la malaria. Alors, lorsqu'on sait maintenant que un médecin chef de zone, par exemple, n'est servi que lorsqu'il envoie les données, il doit avoir les bailleurs de fonds. Le Fonds mondial ne te donne l'argent que lorsque tu envoies les données. Donc, ça veut dire que c'est on monnaie un peu la maladie. C'est ça un peu le système un peu qui existe. La maladie est monnayée. Ce n'est pas la santé n'intéresse pas les gens. C'est la maladie maintenant qui intéresse les gens. Donc, pour que moi, médecin, je sois bien payé, il faut que vous soyez malade. Voilà, c'est ça les systèmes. Alors, les menaces commencent d'abord là, au niveau de ces chefs, des médecins chefs de zone, de médecins qui survivent. Ils n'étaient pas appuyés. Quand vous regardez un peu dans le documentaire, les centres n'étaient pas appuyés encore en médicaments essentiels contre la malaria parce qu'il n'y avait plus de malaria dans cette zone où nous avons réalisé les études. Et ça a été prouvé par l'Université de Bordeaux, les services d'épidémiologie. C'est pas Jérôme qui l'a inventé. Ils sont venus sur te regarder ce que j'ai fait. Donc, le menace commence là. Donc, on me fait un premier procès et c'était à Kindu, on me fait un premier procès comme quoi je suis en train de faire la diffamation contre certains dépôts pharmaceutiques. Et bon, c'était les allégations qui n'étaient pas fondées, bien sûr. Le dossier a été classé sans suite. Je prends un poison. C'était un poison indigène. J'allais mourir. Heureusement, comme là je vous dis, j'ai un estomac qui est déchiqueté. Donc j'ai un partie de mon estomac qui était déchiqueté parce que j'avais ingéré des substances, des poisons indigènes. Donc aujourd'hui, j'ai un estomac qui en partie qu'on m'avait opéré au Canada Désolé, désolé d'entendre après ça, avoir consulté docteur, que vous avez un problème d'estomac après poison là. avoir. Désolé d'entendre que vous avez un problème d'estomac après avoir consommé ce produit. Vous avez été. Oui, désolé d'apprendre ça, docteur. J'espère que vous vous portez bien. Donc, ça, c'était une menace sur votre vie. On voulait vous supprimer. Mais vous avez été arrêté, vous avez été menacé. Il y a eu d'autres menaces? Oui. Alors, la dernière fois que j'étais, bon, menace, il y a des menaces aussi institutionnelles. Hein. Ma première menace pour moi, c'est l'Organisation mondiale de la santé. Et là, les gens qui veulent lire, ils peuvent aller, ils tapent mon nom, Jérôme Nyang'e Artemisia, à OMS, ils vont voir. L'OMS est formelle sur mes publications, en fait. C'est-à-dire... L'OMS est vraiment formelle. C'est-à-dire, l'OMS ne veut pas la vulgarisation, en fait, de mes traitements. Ne veut pas la vulgarisation de mes traitements. Parce que Pour quelle pour moi, raison? pour quelles raisons il y en a deux, en fait. Pour les raisons, il y en a deux. L'OMS me dit, lorsque la personne qui prend de l'artémisia, la personne qui prend de l'artémisia, c'est ça l'argument, cette personne-là peut développer ce qu'on appelle la résistance à l'artémisinine. Ce qui est faux,
L'OMS n'a aucune référence. Jusqu'à aujourd'hui, je lance un défi pour les gens qui sont en train de lire, qui sont en train de suivre, qu'on me montre une seule référence bibliographique, parce que l'OMS est une grande institution, elle doit se baser sur des références bibliographiques. Nous, nous lui avons montré l'OMS que ce que tu dis là, ce n'est pas vrai, parce qu'il ne peut pas faire la résistance à plusieurs molécules. L'artémisia, il n'y a pas une molécule, il y en a plusieurs. Donc, on fait la résistance à l'artémisinine. L'artémisinine, c'est un des principes actifs qui se trouve dans la plante. Ça, c'est l'argument, Ça, c'est le je peux premier dire, argument de c'est le l'OMS. Et le premier deuxième? argument. Le deuxième argument de l'OMS, que le traitement que je fais, ce n'est pas standardisé. C'est-à-dire? Okay? Standardisé, ça veut dire, il y a des variations, c'est qui, les variations de concentration de molécules qui se trouvent dans la plante, d'une culture à une autre. D'une région à une autre. Je prends un exemple. Une plante qui est cultivée, par exemple, à Paris, ne sera pas, n'aura pas la même composition chimique qu'une plante qui est cultivée en Belgique ou aux États-Unis. Ça, c'est tout à fait normal. Mais nous, nous avions dit à l'OMS, on standardise pour échapper. Donc, ce n'est pas un argument pour l'OMS. Normalement, tu devais seulement nous demander de faire des recherches supplémentaires. Pas, ne pas dire que de pas divulguer la standardisation, je peux standardiser aujourd'hui les traitements. Donc voilà les deux arguments Et à de part l'OMS. l'OMS, qui d'autre vous a c'est qui vous a menacé? L'Académie de médecine française, l'Académie de médecine française fait un communiqué sur moi et ça a été publié dans Le Figaro, Le Monde et Paris Match. Et l'Académie de médecine française revient d'abord sur mes publications. Quoi disant, ça a été réalisé un peu dans un petit village, dans une région un peu reculée de la planète. Ça n'a pas de valeur, des variétés, de valeurs scientifiques. Et voilà. Et puis l'académie a le message qui était clair, l'académie demande au ministre des Santé africain de ne pas appliquer les recommandations de mes résultats de recherche. Là encore, j'avais fait des réponses à l'académie de médecine. Bravo la France, merci parce que je suis en France, mais moi j'ai pas fait les recherches pour les Français, j'ai fait pour les Africains. Donc c'est pas, si je m'adresse pas aux Français, moi je travaille pas pour les Français. Donc j'avais fait ces recherches là, c'est pour les Français, plutôt c'est pour les Africains pour que nous puissions nous soigner. S'il y a des médicaments entre un médicament qui n'est pas standardisé, ça c'est l'argument de l'OMS, et un médicament qui vient de Chine et qui tue la population africaine, qu'on me montre un seul cadavre de l'artémisia sur le continent africain, moi je leur montrerai des milliers de cadavres sur le continent africain aux médicaments qui sont autorisés même par cette Organisation mondiale de la santé. Pourquoi cette politique de deux poids, deux mesures? Une plante médicinale qui ne tue personne, vous voulez l'interdire. Mais de médicaments qui tuent les gens sur le continent africain, et c'est vous-même, même l'Organisation mondiale de la santé qui fait des rapports, personne ne veut interpeller ces gens. La législation, elle est faible. Les trafiquants de faux médicaments sur le continent africain restent impunis. On ne Donc, le punit pas. on comprend, docteur, que ce n'est pas évident de vous lancer dans ce que vous faisiez ou dans ce que vous faites quand vous n'avez pas des moyens ou de soutien. Et vous en êtes arrivé même à l'enlèvement. Parlez-nous de Oui. ça. Vous avez été enlevé? Oui. Alors, je suis invité le 2, le 20, le 26, le 27, le 28 février 2019 à l'Union africaine. Tellement que mes recherches commençaient à attirer un peu beaucoup de curiosité. Malheureusement, une fois de plus, Marius, et au Congo, ça passait comme si rien n'a été fait, en fait. Alors que la France, l'OMS, le Genève, Belgique, il y avait des publications du jour au jour. De tout ce que je faisais. Vous regardez à partir de 2019 ou 2018, vous tapez seulement Le Monde, Paris Match, Le Figaro, ainsi de suite, ou le Libre Belgique, ainsi de suite, vous allez trouver docteur Jérôme, vous tapez seulement docteur Jérôme Mounienghi, vous allez voir autant de publications sur moi. Mais dans mon pays, il n'y avait rien du tout. Rien ne se passait, en fait. C'est comme si rien n'était fait. Alors, je suis invité à l'Union africaine. C'était le 28, plutôt le 20, j'arrive à l'Union africaine, j'étais le 25 février 2019. Je participe à la session des chercheurs à la commission recherche et technologie à l'Union africaine, où je devais présenter mes résultats de recherche. Pour moi, je devais me faire passer à la commissaire, à la madame la commissaire, il y a une commissaire qui s'occupe de cette commission, et je lui avais dit que moi, je trouve aujourd'hui la solution africaine doit être appuyée par l'organisation, plutôt par l'Union africaine. Par l'Union africaine. C'est normalement, c'est l'Union Mais africaine, c'est je logique.
C'est logique. Voilà, c'est logique. Parce que j'ai cherché l'appui en République démocratique du Congo. Je n'étais appuyé par personne en RDC. J'ai fait ces recherches. Je faisais Marius, j'ai fait ces recherches. Ça m'a coûté 100 000 euros. 100 000 euros, ces recherches qui ont été financées par des dons de Français, de 10 euros, de 5 euros, parce que je devais quémander en France pour aller réaliser les recherches aujourd'hui qui révolutionnent un peu. Ça aussi, c'est un côté où les Africains ne veulent pas soutenir les chercheurs. Mais quand vous Nous dites ça, quémandons des... docteur, est-ce que les autorités congolaises vous connaissent? Est-ce que vous avez essayé de les approcher? Est-ce que vous connaissez le ministre de la Santé? Est-ce que vous connaissez les structures? Les structures vous connaissent? Marius, vous savez, quand un chercheur arrive à être cité par l'Organisation mondiale de la santé, ça veut dire qu'il a touché à un point sensible de la santé mondiale. Ça, c'est très important que je vais insister. L'OMS ne touche personne. L'Académie de médecine. Je suis le seul médecin noir sur qui une académie, des savants, des prix Nobel siègent et veulent interdire ces recherches. Pour d'autres personnes qui ne veulent pas avoir, qui veulent seulement avoir un côté, ils vont dire oui, peut-être ils ont trouvé. Mais pourquoi on fait ça? L'OMS ne prend pas des décisions sur des petites recherches. Non, pas du tout. Ça n'intéresse pas l'OMS. Une décision de l'OMS, c'est la politique internationale. En d'autres termes, les recherches que j'ai commencé à faire depuis 2013 peuvent toucher la politique internationale de l'OMS sur le continent africain est dans le bon sens parce que ça peut nous aider à réduire beaucoup de maladies. Donc, en revenant un peu À votre arrestation? à mon arrestation, je rentre à Kinshasa avec Ethiopian Airways, c'était le 28 février. Je rentre chez moi, bien sûr, parce que quand je suis rentré et j'étais déjà pris comme enseignant, chercheur à la faculté de médecine de l'université de Lubumbashi et de l'université de Kolwezi où je donne cours d'ailleurs à la faculté de médecine. Donc, je commençais à impliquer, à enseigner et à faire mes recherches. Je rentre le 28 février parce que je devais organiser, d'ailleurs, c'était une émission avec un journaliste non, c'est pas, il y a là, qui présente l'émission Étoile sur la radio Capi. La radio Et Capi, voilà, je sais je ne peux pas vous pas. aider, c'est pas très Ok, donc important. là, merci, Oui. merci. Ouais. Désolé. Bref, je rentrais un peu à Kinshasa et je suis logé dans un hôtel qui est en, j'étais logé dans un hôtel juste en face de l'Académie des Beaux-Arts de la Lingua, voilà. Les gens qui connaissent un peu Kinshasa. À 23 heures, Marius, je rentre de mon hôtel, j'étais en train de discuter avec les amis. À 23 heures, je vois, sept policiers qui viennent, ils m'entourent, ils m'encerclent. Il y a un qui dit, c'est docteur Jérôme. C'est venu à 23 heures, docteur Jérôme. Et on m'amène directement menotté, frappé. Je ne savais pas pourquoi on me frappait, pourquoi on me menottait. On me menotte, on me frappe. On m'amène dans une station de police qui est à côté. Qui est à côté, juste là. Et j'arrive là avec mes menottes à main. J'étais accompagné d'un ami qui me, je rentrais dans mon hôtel, j'étais accompagné d'un ami. Et c'est l'ami là, je confie mes téléphones, je lui dis, je lui passe déjà deux ou trois numéros importants à appeler. Donc, je demande d'abord mes collègues à Paris et quelques médecins ou les professeurs que je connais à Kinshasa. Je reste là jusqu'à minuit et je vois, et les gens sont en train de parler. Mokonzi, Azawa, donc il est là, il est là, il est là, il est là. Et je ne savais pas. Il y avait mon ami qui me disait, sois calme, tu dois savoir. Et puis, je vois un petit taxi qui arrive, comme on appelle les jargons à Kinshasa, on l'appelle les ketch. Un petit taxi du en jaune. Et dans là-dedans, il y a deux hommes. Qui n'était pas en uniforme, en civil. C'est par violence même que je suis entré dans ce taxi-là. C'est par violence. Et heureusement, j'avais un ami qui me tenait vraiment, qui me tenait et qui, on avait vraiment une résistance. Moi, j'étais déjà menotté et lui s'était né à moi. Bref, on est tous entrés dans ces, pas tellement ils ont appelé les secours des policiers qui étaient là. On m'a jeté comme, je sais pas, Un sac de désolé. foufou. Ouais, J'aime les exactement, un foufous. sac de fou dans le véhicule et rentre direction, je savais là où on est parce que je connais la ville. Et là, on arrive à l'IPEKIN, à l'inspection provinciale de Kinshasa. C'est juste, c'est là où on arrive, on entre, ainsi de suite. Pas de trucs, et directement dans une cellule. Je passe une nuit
Premièrement, on appelle les connaissances arrivent. Où est le mandat? Il n'y en a pas. Il n'y en avait pas. Où est le mandat? Il n'y en avait pas. Pourquoi vous l'avez arrêté à 23 heures? Personne ne donne d'explication. Il fallait attendre le lendemain, parce que c'était un certain vendredi. Il fallait attendre le samedi. Et vous connaissez un peu le système. Les gens n'arrivent pas le samedi, ils viennent, ainsi de suite. Ce qui fait que les colonels, les responsables qui étaient là, n'étaient pas là ce jour-là. Donc, je passais encore une nuit sans que je sache pourquoi j'étais arrêté, ainsi de suite. Les dimanches, je passe une nuit. Les lundis, mais c'était des nuits de trop. Et en plus, on te maltraité, tu n'as pas droit de sortir, même fais pas de besoin. Tu es là, tu es ainsi de suite. Et après, les lundis, lorsque mes contacts, maintenant, il y a des téléphones, parce que j'étais déjà sur, comme on connaissait un peu, mon dossier était très sensible, j'étais suivi par la Fédération internationale des droits de l'homme. C'est ainsi que la Fédération des droits internationaux des droits de l'homme est venue et a demandé des explications. Et c'est le moment même que la Fédération internationale des droits de l'homme vient nous réclamer qui est d'abord quel est le mandat et pourquoi vous l'avez arrêté, qu'ils sont en train maintenant de faire comment un mandat. Ça a été fait sur place le lundi. J'ai dû arrêter vendredi, mais un mandat est fait le lundi. Je suis arrêté vendredi, mais un mandat est fait le lundi. Et la Fédération internationale prend contact avec va voir le procureur, plutôt le procureur à Gombe, au parquet de Gombe, et demande, non, il y a quelqu'un qui est arrêté arbitrairement, c'est un grand chercheur, il ne devait pas subir. Ce monsieur, il passe sur toutes les chaînes, et d'ailleurs, il vient de participer à une grande réunion des chercheurs africains à l'Union africaine. À l'Union Et c'est comme africaine, vous ça les que traitez. vous avez été libéré et vous êtes resté au C'est comme ça Congo? que je... Et voilà, c'est comme ça que je suis. J'étais libéré et ma sécurité n'était pas parce que garantie. Et j'ai décidé avec mes amis et mes collaborateurs, tous les gens qui étaient là, et grâce surtout encore à la diplomatie de la France, c'est que j'ai décidé de quitter la France et j'ai quitté la RDC. C'était au mois de mars, parce que c'était déjà au mois de mars, et je suis rentré au Kenya d'abord, au Kenya, et puis je suis parti en République centrafricaine où j'avais certaines activités. Après, République centrafricaine, toujours à l'ambassade de France, et après, c'était mon arrivée, bon, une fois mon retour, une fois de plus en Et France. depuis Voilà lors, comment j'ai. vous êtes en France. Depuis lors, je suis en Docteur, France. Ouais. merci de nous avoir raconté votre parcours et votre vie. C'est un parcours d'un vrai combattant, un parcours des grands hommes dans ce monde que vous êtes. Et je suis très fier de vous Merci. et je vous souhaite beaucoup de courage pour la suite du combat qui reste encore à faire. Enfin, alors, si je vous ai invité aujourd'hui, docteur, vous l'avez peut-être suivi dans cette émission, le président malgache a eu cette conversation avec notre président, le président de la RDC, et là-dedans, il parle donc de ce médicament qui est pris à titre préventif contre le Covid-19. Alors, je ne sais même pas par où commencer ma question, mais je veux juste savoir. Le président malgache vante ce produit, c'est un miracle malgache. J'ai lu un article de Jeune Afrique qui parle d'une dame, je n'ai pas retenu son nom, qui est derrière le produit. Nulle part, que ce soit dans la communication du président de la République ou celle du président malgache, votre nom n'apparaît. Du coup, il y a 2 jours, votre nom circule sur tous les réseaux sociaux. Vous êtes l'homme derrière cette invention de ce médicament Covo, Covid-O, qui est un médicament miracle Organe. selon le président malgache. Je veux juste que vous répondiez à cette question avant qu'on continue. Est-ce que c'est vous qui êtes à la base de la découverte de ce médicament pour prévenir le Covid-19 au Madagascar? Je suis à la base de la rédaction du protocole, c'est au Madagascar et partout sur le continent africain de Ça ces veut dire produits. que c'est pas vous, mais vous êtes à la base de la rédaction du protocole. Non, c'est l'auteur. En fait, on n'invente pas une plante médicinale. On découvre la propriété. Là, on n'invente pas une plante. C'est Dieu qui l'a créée. La nature est là. Donc, c'est là que je vais juste pas aller sur invention. Invention, ça, c'est une plante. Donc, les mots invention, on va d'abord mettre ça à côté. Je suis
à la base, donc l'auteur de la proposition de protocole, surtout le gouvernement africain, de COVID Artemisia. Okay? Donc, c'est Est-ce mon que vous projet. avez été contacté ou vous avez contacté le gouvernement ou la présidence de Madagascar pour ce? Oui, et la dame dont vous êtes en train de parler, je vous ai parlé tout à l'heure ici que pour faire mes essais cliniques, j'avais besoin au moins on devait réunir 5 000 euros. La dame dont vous parlez, donc qui s'appelle Lucille Cornet-Vernet, elle a créé une association et l'association s'appelle Maison de l'Artémisia. On a appelé ça l'association Maison de l'Artémisia. Et l'association Maison de l'Artémisia, maintenant c'est une fondation. Je suis les responsables des essais cliniques et recherches médicales et scientifiques. C'est moi qui coordonne toute la recherche mondiale sur l'Artémisia. Bon. Elle n'est pas médecin, elle est là pour la communication, pour s'attirer les lobbies. Vous savez, c'est stratégique. Et pour s'attirer des lobbies. Et C'est l'homme elle, qui elle est assure la. derrière, c'est vous. C'est son poids, c'est moi. Donc, la rédaction de protocole, c'est moi. Elle Vous savez assure la pas. communication. Ouais. Vous savez pas à quel point je suis fier de vous. J'ai envie de vous embrasser si vous étiez juste en face de moi. Docteur, mais n'entrons pas trop dans les émotions. Oui. Comment ça s'est passé pour en arriver là? Le président de Madagascar aujourd'hui, c'est lui qui fait la publicité de ce produit. Comment en êtes-vous arrivé là? Vous parlez Lingala? Oui. Bon, yo, si vous avez le président de la Bissoté, vous avez le président de la Malgache, ou quoi? Bino boyebi ko valoriser bandeko na bino te. Eza pe système, pardon, eza stratégique, na bi eza communication stratégique. Parce que depuis que nga na koma ko sala na ba mindele, au moins bayebi ko valoriser mon salaire. Et bayebi ko communiquer. Bayebi sa Jérôme, sur le plan stratégique, ce qui te tue au Liboso, déjà te bi ke oza, on continue à Lingala ou Non, non. allez-y. On peut. J'avais juste besoin de cette réponse en Ah, d'accord. Ok, Lingala. d'accord. Donc, alors, Allez-y. c'était stratégique de communiquer. Ça, c'est notre façon dans la maison de communiquer. Il y a des grandes questions où ça demande un lobby. Il faut qu'il y ait une autre personne qui le fasse et les scientifiques restent là pour répondre maintenant lorsque la bombe va éclater. C'est ce qu'on a fait. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Lorsque la crise de COVID commence, comme je travaillais déjà sur cette plante, je connaissais déjà les propriétés antivirales de la plante. La plante est utilisée. Cette plante-là, les gens, peut-être, c'est utilisé pour plusieurs pathologies virales. Il y a même dans les systèmes, dans les gens qui sont atteints par l'immunodéficience, qu'on peut appeler les VIH, qui prennent, à qui on a prescrit, ainsi de suite. Ça, c'est un autre côté. Donc, pour le virus en général, ça marche. Alors maintenant, on devait travailler. Qu'est-ce qu'on a regardé? Il y a déjà une publication. Il fallait regarder le plante médicinale, comparer ça à une molécule. La molécule, ça s'appelle interféron. Interféron, ça veut dire interférer. Interférer avec quoi? Interférer avec une réplication de virus. Ça, c'est une molécule qui est commercialisée déjà dans plusieurs magasins. Alors, comme je vous ai dit, le principe de comparer un médicament qui existe avec un est celle que vous voulez plutôt c'est celui que vous voulez mettre en place en fait. Alors qu'est-ce que nous on a fait? C'était comparer interféron avec de l'artémisia antizane. Antizane. Regardez sur le des effets et sont peuvent être équivalents ou inférieurs ou supérieurs. Et là, spectaculaire, la plante elle était efficace sur les d'abord c'était sur le coronavirus lui-même, mais maintenant aujourd'hui avec Ostras associé au coronavirus. Donc sur toute la famille des coronavirus, la plante elle est efficace. Elle est Alors, efficace. Et comment je vais entrer. Oui. je veux revenir à ma question, j'ai pas encore reçu une réponse. Comment êtes-vous Ouais. arrivé au Madagascar? Vous êtes passé juste au Congo. Vous n'avez pas essayé de contacter nos dirigeants, nos présidents, enfin, nos responsables de la santé et tout ça? Marius, lorsque nous avions fini à écrire le protocole, parce que je devais d'abord soumettre ce projet quand je l'avais écrit, j'étais en train de solliciter 4 millions d'euros de financement ici en France. C'est comme ça qu'on avait écrit ce protocole, d'abord. Et après, nous avons dit, il faut qu'on les propose
au président ou au ministre. Nous, on ne visait pas de président. On visait le ministre des Santé. Le premier ministre qui a été, plutôt, pas le premier ministre, mais je veux Oui, dire, le premier ministre des Santé. Ouais. voilà, merci. Le premier ministre des Santé qui a été contacté, c'est fille, c'était mon ministre, en fait, que je connais bien. Nous nous Le sommes ministre de la rencontrés dans une, RDC? c'est la RDC. Nous nous sommes rencontrés dans une grande conférence internationale à Lyon qui a été organisée par le président Macron du Fonds mondial. C'est là où je l'ai rencontré. Parce que là, une fois de plus, je suis parti présenter. Je suis invité dans toutes les conférences aujourd'hui mondiales, là où on parle de malaria. Je dois être là. Qu'il soit où, je dois être là. C'est là où j'ai rencontré le ministre. Bon, il n'était pas en fonction quand j'étais arrêté à Kinshasa. Il avait déjà entendu peut-être parler du produit et nous nous sommes rencontrés, nous avons discuté. Je lui ai présenté d'abord le projet qui restait côté malaria et surtout montré l'importance, comment est-ce qu'on pouvait lutter, on pouvait réduire les prévalences de la malaria en Afrique et en RDC. D'ailleurs, la RDC, c'est le deuxième poids en Afrique sur le choix, plutôt sur la malaria. Je propose le protocole premièrement. Justement, je ne vais pas entrer beaucoup plus en détail. Premièrement, c'était mon pays. J'envoie. Et Lucille, la dame, parce qu'elle me connaît, j'ai l'amour exagéré pour mon pays. La dame qui a fait elle avait sur France 24, elle a, plutôt, sur Jeune Afrique. Elle me dit, Jérôme, qu'est-ce que tu en fais? Je dis, Jérôme, je propose d'abord à la RDC, puis je vais voir. Et puis je te reviens. Parce que je savais que j'ai un contact un peu en RDC avec le ministre. J'étais fier. Je me disais, ouais, c'est d'abord mon pays qui va répondre le premier. Et on a envoyé au ministre. Aucune réponse, Marius. Aucune réponse. Après, je ne me suis pas découragé. Nous avions envoyé au conseil scientifique. Le président de la République démocratique du Congo a créé un conseil scientifique. On a envoyé les protocoles. Je vous ai dit, ici, j'envoie le protocole. On envoie le mail et le protocole au conseil scientifique. Aucune réponse. C'était le moment où le président de la République avait créé la commission pour recevoir le projet de tous les Congolais, les gens qui parlent. Les gens sont passés dans les médias, ils faisaient des polémiques. Un bon produit, on ne fait pas des polémiques. C'est le produit fait un bon produit, on ne fait pas trop de publicité. C'est le produit qui va faire vraiment la publicité à la place. Et nous, on a fait ça. Le conseil scientifique congolais n'avait pas pris ces projets. Je ne me suis pas arrêté là-bas, Maris. Nous avons écrit au prix Nobel de la paix, docteur Mukwege. Je même la réponse de son mail. Nous l'avons écrit. Docteur Mukwege, il coordonne la riposte au site Kivu. Il nous a répondu, j'ai la réponse de docteur Mukwege. Il nous a répondu, oui, c'est un très bon protocole, ça peut nous aider parce que nous avons beaucoup de problèmes. Mais je vous confie, je vous envoie à la commission scientifique dirigée par un professeur à Bukavu. Et nous discutons avec le professeur. Le professeur dit, OK, c'est bon, on va regarder, on va d'abord parler avec le gouverneur, ainsi de suite. Et il n'y avait pas eu de suite favorable. Et on était fatigué. On a dit, OK, c'est bon. J'ai créé un groupe maintenant des chercheurs africains que je connaissais parce que j'avais lancé un truc appelé Manifeste du monde médical africain. Ces manifestes-là qu'on avait adressés au Fonds mondial où nous avons plus de 450 chercheurs africains là-dedans que je dirige, en fait. Et avec mes collègues, je partage toujours les idées. Alors, nous avions sélectionné, comme j'avais passé beaucoup de temps en République centrafricaine, je connais le ministre de la Santé, ainsi de suite, en République centrafricaine. Nous avons pris la République centrafricaine, nous avons pris le Burkina, le Bénin, le Madagascar, le Rwanda. Oui, c'était les cinq pays qui ont suivi après. Nous avons envoyé le même type de mail, plutôt. C'est le même modèle de mail, parce qu'on avait juste un seul modèle de mail et on cherchait les adresses mail. Tellement que j'avais les adresses mail de plusieurs ministres que je connais, que j'ai déjà rencontrés lors de conférences. On a balancé comme ça. Et c'est la République de Madagascar qui a mordu à l'hameçon. C'est ça. C'était plus rapide. C'était visionnaire, en fait. Et le ministre n'a pas tardé, et j'ai même une collègue qui a joué un pont qui elle est vraiment, elle est malgache, elle était ici, elle est rentrée chez elle en Madagascar, elle est partie avec le protocole, le ministre a reçu le protocole, le ministre n'a pas tardé, l'information est remontée jusqu'au président de la République. Donc, et arrivé chez le président de la République,
Le président de la République a trouvé que les protocoles étaient très bons. Il était bon. Mais il dit, mais pourquoi on vous met toujours ces... Et quand vous regardez les gens qui ont suivi la télévision, Marius, les gens qui ont suivi les jours de la déclaration, le président malgache a commencé avec un documentaire, c'est le documentaire sur moi et mes recherches. Les gens n'ont pas compris le message, parce qu'il faut lire, vous avez fait la communication. On commence par un documentaire d'un chercheur congolais, on présentait un produit, vous devez savoir c'était quoi. Le message que devait passer là-bas, c'était pour dire, ces recherches ont été déjà validées par un chercheur, ce que vous êtes en train de regarder, il était bloqué, il n'avait pas de lobby, il n'avait pas de puissance. Aujourd'hui, on va lui donner cette opportunité que l'Afrique gagne dans tout ça. C'était ça la stratégie de communication. Et ça a été communiqué. Et il a pris le Oui. projet Ouais. et Il il a l'a mis en pris. pratique. Exactement. Nous avons ce mardi, Monsieur le Président, vous voulez soigner votre population. Voilà la solution la plus simple. La plus simple possible. Et cette solution, elle peut résoudre. Soit tu es en prévention, soit tu es en curatif. Alors, Soit tu es en prévention, maintenant, soit tu es en curatif. revenons sur ce point. L'efficacité de l'Artémisia Ouais. dans la lutte contre le Covid-19. Le président malgache, on l'a entendu avec le président congolais, parle plutôt d'une solution préventive. Est-ce que vous pouvez nous dire, vous pouvez nous confirmer, docteur, que cette plante, si vous la prenez en tisane, comme j'ai vu le président l'expliquer, ça vous protège contre le Covid-19 sans trop entrer dans les termes scientifiques? Expliquez-nous. Comment? Oui. La plante, plutôt, lorsque vous prenez la tisane, la forme la plus simple, hein, si on parle de la tisane, parce que le président ne voulait pas aussi aller dans des formes trop compliquées. Il ne veut pas faire des formes trop compliquées. Mais nous avons des formes un peu supérieures à ça, des formules un peu supérieures à ça, qui demandent un peu de moyens, des techniques pour le mettre en place. Mais lui, il voulait passer à l'acte tout de suite. C'était ça aussi la rapidité du côté malgache. Donc, il a fait la tisane, la forme la plus simple, donc c'est la tisane. Oui, lorsque vous prenez la plante, la tisane de l'Artémisia préparée, et là, j'insiste une fois de plus, nous devons regarder, parce qu'il y a des molécules que nous ciblons là-dedans. Okay? Notre approche, ce n'est pas d'isoler les molécules, notre approche, c'est de faire l'ensemble des molécules doivent produire une synergie thérapeutique. Donc, c'est ça le principe. Donc, nous devons d'abord regarder au laboratoire si les molécules que nous recherchons se trouvent dans cette tisane. Voilà un peu, je vais nuancer un peu là-bas. Ça se trouve dans la tisane. Et lorsque vous prenez, il y a ces mots je vais expliquer dans des termes trop simples. Lorsque vous prenez cette plante, quand vous n'êtes pas encore, la plante peut être, la tisane peut être prise en prévention chez les gens. Les gens qui ne sont pas encore atteints, mais qui sont exposés. C'est comme ça que nous avons fait les protocoles. Pour la catégorie des gens qui sont exposés. Donc, comme par exemple les personnels soignants, d'autres personnes qui ne sont pas encore touchées par le COVID. Ça les protège. Et vous allez pour les personnes qui sont déjà touchées, de forme modérée. Ça agit aussi. Je vais maintenant Ça les guérit. m'expliquer. Oui. Mais dans les formes compliquées, ça ne fait pas beaucoup d'effet parce que là, la personne ne peut pas boire, la personne ne devient. Il faut que la personne soit consciente d'abord. Tu vois, c'est un peu dans les formes compliquées, c'est difficile. Alors, qu'est-ce que nous c'est qui arrive? Lorsque vous prenez cela, le virus ou l'agent pathogène, tout microbe, il y a seulement deux choses pour que vous fassiez la maladie d'une infection. Ça veut dire, moi je dois, le microbe qui vient doit entrer, doit passer à travers une porte pour se retrouver à l'intérieur de vos cellules et commencer à se multiplier. Ce sont des virus. Donc à l'extérieur, ils ne peuvent pas survivre. Ils doivent entrer à l'intérieur, ils doivent entrer dans votre matériel génétique, aller à l'intérieur de la cellule pour se multiplier. Alors, la tisane, pourquoi on dit pour la prévention, bloque l'entrée. Le récepteur, parce qu'on appelle ça les récepteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine 2. Vous voulez peut-être, il y a des médecins qui me suivent, ils peuvent aller se documenter. Donc, c'est l'Artémisia bloque ces récepteurs. Ce qui fait que le virus ne peut pas entrer. C'est comme si vous mettez vos barrières.
chez vous. Personne ne va pas venir entrer faire des va-et-vient comme les vieux. C'est ça le principe de l'Artemisia. Il bloque ses récepteurs. Ça, c'est un. Deuxième chose. L'Artemisia, lorsque vous le prenez toujours en prévention, et si vous avez déjà quelques manifestations qui il y a dans la maladie, parce qu'il faut rappeler que le COVID-19, c'est une maladie. Okay? COVID-19, c'est une maladie. Donc, dans une maladie, il y a deux effets qu'on appelle les effets de la réaction inflammatoire. Okay? Il y a une inflammation. Une inflammation. Alors, l'Artemisia vient diminuer. C'est comme l'inflammation, c'est comme une tempête. Marius, on te met à côté de l'air des cyclones. Qu'est-ce qui va t'arriver? Tu veux partir ainsi de suite. C'est comme ça c'est que ça se passe dans notre cellule. Lorsque quelqu'un fait une infection, c'est une tempête. On appelle ça une tempête cytokinique. Les cytokines, c'est, on peut dire, c'est les, pas, on peut dire, ce sont les messagers. C'est les moyens par lesquels les cellules qui combattent communiquent. C'est les réseaux de communication. Alors, pour tuer le virus, parce que vous n'avez pas une solution pour aller attaquer directement l'ennemi, vous pouvez aussi l'attraper sur son réseau de communication, en contournant son système de communication. C'est ce que fait l'Artemisia. L'Artemisia contourne le système de communication des cellules, ce qu'on appelle les cytokines, en les bloquant. Ça veut dire, moi, si nous communiquons ici, Marius, c'est parce que il y a un bon réseau, si quelque chose ne fait l'interface entre nous, on va pas communiquer ce que je ne saurais pas ce que vous êtes en train de faire ainsi de suite. Donc, on appelle ça bloque la réaction inflammatoire. Voilà le fait très important de l'Artemisia. Il y a d'autres effets maintenant sur les systèmes immunitaires où je peux pas entrer beaucoup plus en détail. D'accord, docteur. Et là, ça, alors, ouais, voilà. L'Artemisia dont vous parlez tout à l'heure au début, vous nous avez parlé des deux sortes d'Artemisia. Est-ce que il y a un qui est meilleur que l'autre? L'Africain est meilleur que le Chinois? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Ou c'est la même chose? Bon, alors, ici, pour les COVID, c'est la variété qu'on appelle Artemisia annua, qui est une des plantes médicinales chinoises, qui est beaucoup plus meilleure que la variété africaine. On n'a pas encore fait beaucoup d'études sur la variété africaine, mais on aimerait vraiment faire des études avec la variété africaine, comme je l'ai fait en malaria, en tuberculose et en schistosomiase et d'autres maladies. Nazo ngomke na lingala docteur Skotobi ki ba chino ba ba kolo banzete bango na mama banzete ba l'équipe so banda le loti lobi parce que bango ba mona ki Artemisia na te ka yo congolais ko découvrir ngom pona bango ba chinois Marius rapport les a clair ba lingite ba yeb sabatu ba lingite to yeb sabatu OK ba chinois ba melaki yango toza na ba rapport ya Chine ba chinois ba melaki yango tozana ba rapport awa nazana ba rapport uta Chine pardon ba Chino ba mela bo wana ba mela mai wana. OK, alors voilà. Nous allons peut-être, docteur, avec votre permission, prendre peut-être deux ou trois questions des téléspectateurs que j'ai pas posées, des questions assez curieuses. Vous êtes très nombreux à nous suivre en ce moment en direct. N'hésitez pas de poser des questions si vous en avez. Le numéro de téléphone, je vais vous le donner tout à l'heure. Voilà, il est là, 001-202-847-94-74. Si vous avez une question à poser au docteur que je ne lui ai pas posée tout à l'heure, parce que je vous rappelle que ça va faire plus d'une heure qu'on est ensemble pour parler donc de cette découverte. En même temps, docteur, je suis en train de sentir combien nous sommes fiers de vous. Mais qu'est-ce qui va se passer après? Est-ce que c'est le Madagascar a l'exclusivité de fabriquer cette tisane ou vous êtes ouvert à d'autres pays? Le Congo peut le prendre aussi et puis fabriquer. Avant d'arriver à une autre question par rapport à notre pays. Non, ce qu'on fait, d'abord, il y a un problème. On ne peut pas breveter une plante. Elle appartient à tout le monde. Ça, c'est d'abord, c'est le principe. Donc, elle appartient à tout le monde. Donc, les gens, c'est moi, la formule qui appartient à quelqu'un. La formule. Le protocole m'appartient. Donc, je l'ai verrouillé.
Donc, si vous voulez utiliser notre protocole, mon protocole, vous passez à la bonne porte et on vous donne la solution. Mais la plante, vous pouvez l'avoir chez vous. Vous ne savez pas quoi faire ou comment D'accord. vous pouvez l'avoir. Donc, est-ce que je vais revenir sur le Congo? Oui, après la communication avec son homologue malgache, Malgache, oui. oui, le président de la République démocratique du Congo a pris contact avec nous. A pris contact avec nous. Et là, j'informe Marius, j'ai accepté, après discussion avec le gouvernement congolais, je suis en train d'attendre mon vol. Et là, je vous montre, ça, c'est mon laissez passer tenant de passeport, parce que je n'avais plus de passeport, qui vient d'être me livré aujourd'hui par l'ambassade du Congo à Paris. Et j'attends le vol le plus rapide. Ça peut être le président de la République veut me voir à Kinshasa le plus tôt possible. Ça peut Ah, être demain ou après-demain. ça c'est une très bonne nouvelle, hein, parce qu'avant cette émission, quand on discutait, vous étiez en négociation. Pourquoi Ouais. avez-vous été aussi dur envers l'État congolais? Quelles sont vos conditions? Qu'est-ce que vous avez demandé pour servir votre pays? Des millions de dollars? Ma vie n'est rien à face aux millions de Congolais qui décèdent chaque année, chaque jour avec des maladies, alors qu'on devait les guérir nous-mêmes. J'avais seulement une seule condition, président de la République. Nous sommes dans un pays où vous savez qu'il y a les trafics de médicaments. Il y a les trafics de médicaments. J'assure, c'est ma sécurité. C'est ma sécurité seulement. C'est plus important. Le reste, non. Je pense Vous que m'appelez. nous Si avons un vous me petit contactez, vous allez me demander si je vais rentrer, apporter ma pierre à la porte, on plutôt a un pour. petit Oui, c'est souci sûrement. Oui, de connexion, ouais, malheureusement. exactement. On a un petit OK. souci de connexion, docteur. Désolé. Maintenant, on vous entend mieux. Vous pouvez reprendre cette partie. Quelles sont vos conditions, quelles sont les conditions que vous avez données au président de la République pour aller servir votre pays? Je suis congolais et je mourrai congolais. J'ai juste demandé ma sécurité, un point très. Le reste, je n'ai rien demandé. Votre J'ai juste sécurité, dit, c'est-à-dire comment? je vais juste être sécurisé. Parce que quand je vais encore faire une bombe, c'est comme ce que j'ai fait avec la malaria et j'ai été poursuivi, j'ai été attaqué. La même chose va se passer sur le coronavirus. La même chose va se passer sur le coronavirus. Ça veut dire que ce sont les gens. Lorsqu'on va juste prendre, ils vont être guéris et ça va créer encore des problèmes. Moi, je voulais juste que je sois protégé. Comme le président a les mots qui, si vous, dans sa communication, il dit, nous devons encourager nos propres inventions et nos chercheurs à développer des solutions ici, localement, avec le moyen que nous avons. Ça, Restez en c'est ligne, le je vais mot vous qui m'a prendre tout à attiré. l'heure. Allez-y. Ouais, ça c'est le mot qui m'a attiré et moi je vais seulement je vais seulement rappeler chaque fois ces mots au moment où donc j'étais ça a été même diffusé dans les chaînes il y a les responsables des postes à Kinshasa qui est passé déjà dans le média pour annoncer mon retour au pays. Donc l'enfant prodige je rentre donc voilà, je rentre dans Voilà, mon pays. l'enfant prodige. Il y a cette question, docteur. Nous savons qu'il y a beaucoup de tâtonnements autour de cette maladie. On parle de l'hydrochloroquine partout au monde. D'ailleurs, moi, je vais être votre manager chez Donald Trump. Vous savez ce qu'il a fait hier, alors qu'on expliquait que le désinfectant tue le virus. Il Le a juste virus. proposé au gars, pourquoi on ne prend pas les désinfectants et mettre ça dans les sangs des gens pour tuer les virus? Il a parlé des choses qui font polémique aujourd'hui aux États-Unis. Mais s'il me demande votre numéro de téléphone, on va essayer de parler pour que le Congo soit au devant de tout ça. Alors, mais la question que je voulais savoir, c'était, vous allez partir au Congo. Est-ce que vous pouvez nous garantir, docteur, aujourd'hui, que vous avez confiance en votre formule? Une fois que vous serez au Congo, si les gens respectent les mêmes principes que l'État met en place avec le médicament que vous pouvez fabriquer grâce à votre formule, cela va, dans les jours qui viennent, baisser le nombre de morts en République démocratique du Congo s'ils respectent ce que vous donnez. Allô? Oh là là!
Oh, malheureusement, il y a des petits soucis. J'espère qu'on va se reconnecter tout à l'heure. Vous êtes très nombreux à vouloir poser des questions au docteur. Nous allons le prendre tout à l'heure. Nous allons essayer de reprendre contact avec lui pour continuer cette discussion. Je pense qu'il a eu un petit souci de connexion depuis la France. Donc on va essayer de le reprendre et puis continuer cette discussion. Entre-temps, je vous retrouve donc dans quelques instants, le temps avec mon équipe, de rétablir la connexion avec le docteur Jérôme. Et puis je vous reviens donc tout à l'heure. Allez, à tout de suite hein, pour la suite de nos questions au docteur. Allez, à tout à l'heure. Alice, Fonsi, Bibaya, oh yeah, Kashine Nana Kuhete, Moka Fumfue, Dimitri Chihutu, oh, Ubite Wabawa Kufupe, Kuno Kuputue, oh yeah, Mwana Mkutu, oh yeah, Kashine Nana Kumone, ok, je suis là, je suis déjà. Voilà, je pense que vous nous avez entendu en coulisses. Hein. On a eu des petits soucis de connexion et finalement, Dieu merci, notre équipe a fait en sorte que nous puissions retrouver le docteur. Je ne sais pas si vous avez entendu ma question, docteur. C'était juste une assurance que vous partez au Congo. Maintenant que vous partez, si tout est égal à lui-même, ça va changer la situation du développement de l'épidémie, de la pandémie à Kinshasa ou en RDC. On espère, je crois que tout artisan ne peut faire mieux avec le moyen qu'on lui donne. Donc, on espère que ça va bien se passer. Voilà. Mais on va à la guerre, on va au combat. En tout cas, nous, on vous souhaite bonne chance. On va prendre peut-être une question d'un téléspectateur qui nous appelle là de la France. Allô? Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir, Marius. Vous êtes en direct. Vous avez une question à poser au docteur? Oui, ouais. Dans la question que posait le docteur, la bengibino pour la poser question n'en pas, docteur. Et la ligne là, il est bas, parce que ça fait longtemps l'endroit où vraiment Artemisia pour la santé, la bisopée pour la maladie à malaria. Question là, la ligne là, on a posé par docteur, est-ce que la Congo, la RDC, trouve Artemisia ou puis justement peut-être la Kine, et est-ce que ce qui na l'ONI en haut, est-ce que la Kine peut rejoindre en haut, et pardon, est-ce que la Kine peut rejoindre Kobota, oui. Docteur, deux questions. Est-ce Kobota, voilà, que c'est Kobota. facile de trouver l'Artemisia en RDC? Est-ce que si on plante ce médicament au Congo, est-ce qu'il peut pousser, cette plante? Oui, c'est ça. C'est l'objectif de l'association qui travaille avec moi. On a prouvé que ça marche, mais qu'est-ce qu'il fallait faire? Il faut pas laisser ça entre les mains de firmes pharmaceutiques. C'était pas ça notre objectif. Il faut laisser ça à la population. C'est ainsi qu'on a travaillé avec des agronomes et à avoir des bonnes semences adaptées sur le continent africain. Aujourd'hui, vous allez à Kinshasa, au Congo central, au Maniema, au Sud Kivu, au Nord Kivu, au Sud Kivu, vous avez l'Artemisia qui pousse partout, qui pousse à Kinshasa. Donc, si il a les semences, il a les très bonnes semences, et surtout c'est une plante qui est un peu capricieuse, une certaine forme, une petite formation et une fiche technique, et vous suivez juste la fiche technique et vous pouvez la cultiver facilement. Oui, D'accord. ça pousse et ça se trouve au Congo. D'accord. On va prendre une autre question. Allô? De la Belgique. Oui, allô? Allô? Oui, bonsoir. Alors, bonsoir Marius. Bonsoir, vous appelez comment? Je m'appelle Guy Beaujac, j'appelle depuis Anvers, depuis la Belgique. On vous écoute, Guy Beaujac. Vous avez une question à poser au docteur Jérôme. Oui, juste une question, en fait, docteur. C'est juste par rapport au dosage. En fait, on voit les gens
Madagascar en train de prendre cette potion, mais c'est dans des bouteilles. Comment ça s'y prend? Il y a un dosage pour ça ou c'est comment? C'est ça ma question. Merci. Voilà. Merci beaucoup, hein, docteur. Je ne sais pas si vous allez donner les dosages et tout ça en ligne, parce que ce qui n'est pas tout à fait que je ne vous conseillerais pas, mais vous êtes libre, vous savez ce que vous faites par rapport au dosage une fois que la personne a le produit fabriqué sur votre formule. Le dosage fait partie déjà du secret. Du secret... du secret professionnel. Mais quand la personne achète la tisane, est-ce qu'il y a le dosage? Comment prendre ça et... Ouais, tout est écrit, tout est écrit, c'est des suites. Et là, je vais insister, Marius, moi, je n'ai pas droit en tant que médecin chercheur de vendre. Non, je n'ai pas droit. C'est ma profession m'interdit de vendre un médicament sur lequel je travaille, que moi-même je sois le commerçant de ces médicaments. Il y a personne ne peut accepter mes publications, il y aura conflit d'intérêts. Donc il y a ceux qui veulent, ce sont les entrepreneurs et ils vont faire de produits pour mettre à la population pour soigner la population. D'accord, docteur. On va partir en Allemagne, pour prendre un appel. Allô. Allô. Oui, bonsoir. Oui, allô, Marius, bonsoir. Bonsoir. Oui, c'est Carlos à partir de Cologne. J'ai Carlos, une question à poser au docteur. On vous écoute, le docteur vous écoute. Oui, je voulais savoir si le docteur rentre au Congo, est-ce qu'il va travailler avec le docteur Muyembe ensemble ou bien il va travailler seul? Belle question, docteur. Docteur, nous savons que s'il y a quelqu'un dans les recherches biomédicales qui est connu, c'est le docteur Muyembe. On parle de plus en plus de docteur Ekwalanga. Est-ce que vous les connaissez? Est-ce que vous allez travailler avec eux? D'abord, est-ce que vous les connaissez? Est-ce que vous pensez que vous allez travailler avec eux? Je connais le professeur Muyembe. C'est parmi les meilleurs de professeurs que nous pouvons avoir donc sur notre continent. Mais je suis très attaché au professeur Ekwalanga. Donc, c'est vraiment un de mes professeurs avec qui j'ai partagé même. Il était mon défenseur pour que le protocole et mon protocole soient acceptés, comme mon protocole aussi vite accepté. À la dernière nouvelle, on me dit qu'il arrive aussi à Kinshasa. Donc, voilà. Donc, le président de la République. Vous avez travaillé avec le docteur Muyembe? Non, je ne sais. Bon, nous sommes tous, c'est que j'ai entendu, en fait, nous sommes tous dans la commission riposte, en fait. Nous sommes tous membres, donc on sera là avec le professeur. Donc chacun juste va apporter sa petite pierre à la contribution, en fait. Mais vous voulez, vous n'avez pas très envie de vous mélanger, c'est ça, hein? Non, pas du tout. Je dois me mélanger. Vous savez, parce que la question était simple, docteur. Est-ce que vous voulez travailler avec le docteur Muyembe? Mais bien sûr que oui, moi j'ai dit oui. D'accord. On a la même équipe, nous jouons. Il y a seulement les numéros 5, le numéro 6, le numéro 10 et les marqueurs de billes, en fait. C'est la même équipe. Et c'est le Congo qui gagne. C'est le Congo qui gagne, on le souhaite. On va partir en Suisse pour prendre cet appel. Allô? Oui, allô, bonsoir Marius. Bonsoir. Oui, vraiment, on a fait le Mingi dans l'émission à Lélo. Merci. Et j'ai deux questions à poser au docteur. Donc, rappelez-nous scientifique. On a posé deux questions par docteur. La première question, les Alinao Kindenga a expliqué le mécanisme et action, il y a Artemisia. Donc, à l'OBI, ils ont bloqué S2, où les familles ont enzyme de conversion, il y a angiotensine 2. L'engana tout na S, et docteur, je pense qu'à l'OBI, enzyme 1 a Ils ont cible un traitement, il y a hypertension artérielle. Est-ce que Artemisia, ils ont pu utiliser un traitement et hypertension? Ça, c'est la première question. Disons, Ningalobi est cible à cas S2. Première question. Deuxième question? Juste précision pour la première question. S2, ils ont une hypertension, mais ils ont mis S1. Mais bon. Je ne sais pas ce qui est Artemisia et ça, c'est la différence entre S1 et S2. Et puis, deuxième question, vous remarquez qu'il y a un bateau, il y a un problème, il y a hypertension, il y a une comorbidité, il y a une obésité, il y a très vulnérable à la COVID-19.
est-ce que le fait que Batouana mini baso soit bah inhibiteur il y a S1 les autres courants d'abord au plus vulnérables dans l'infection COVID-19. Merci. Merci docteur. Ça a l'air d'être des questions très techniques. Hein. J'espère que vous les avez comprises. Ouais. Allez-y. J'ai compris. Oui, merci pour votre question. Donc je disais que pour entrer dans la cellule hôte, le STRAS, donc le COV2, donc le COV2 va se lier à un récepteur. Donc comme je m'adresse vraiment à la personne qui a pour parler, qui va m'écouter, va se lier à un récepteur et ce récepteur c'est l'enzyme de conversion de l'angiotensine 2. Alors, la molécule ici qui est concernée, donc les protéines des spike du virus, donc comme on l'appelle les protéines spike, et les protéines spike vont se lier à une autre protéine que peut-être vous connaissez bien, et la protéine là s'appelle le TMPRSS2. Alors, c'est là où tout se joue en fait, et l'air de l'enzyme de conversion, ça a été aussi, c'est un protocole qui a été proposé parce que c'est la voie dans la cellule pour des molécules qu'on donne, surtout, c'est les hypertendus, dans le traitement d'hypertension artérielle. Je peux vous faire une explication sur l'hypertension eumisia. D'accord, je pense qu'on a des petits soucis de... Voilà. De connexion. On a eu des petits soucis de connexion avec le docteur, mais maintenant vous êtes revenu. Alors, on va prendre un autre appel, peut-être le dernier avant de vous laisser. Peut-être que vous allez partir tout à l'heure. On vous envoie un jet privé, c'est ça? On vous envoie. Je ne sais pas. On vous envoie un jet privé pour venir vous chercher. On vous a seulement dit. Soit seulement à tout moment. On vous a seulement dit d'être prêt. D'accord. Alors, oui, on va prendre cette question. Allô? Oui, sois prêt. Alors, on va prendre un autre... Allô? Oui. Bonjour, monsieur Jean-Jacques, qui s'appelle à partir de la ville de Kharkov en Ukraine. Monsieur Jean-Jacques, on vous écoute. Vous avez une question à poser au docteur? Oui, j'ai appelé parce que j'ai une question à poser au docteur. Allez-y. Bon, la question que je vais poser au docteur est que, d'abord, je le félicite par rapport à tout ce qu'il a dit. Nous sommes parmi les chercheurs de la RDC. Moi, je menais une étude, je crois, en 2014, où j'avais analysé les antipaludés. Vous avez une question à poser au docteur? Oui, la question que je pose au docteur est que le docteur peut nous éclaircir les contre-indications de la plante en question chez des personnes qui sont sous d'autres traitements, comme le frère de la Suisse venait de les montrer, des antihypertenseurs, les gens qui prennent des antihypertenseurs et autres. Et le docteur Pei nous éclaire sur les contre-indications de la plante face à des personnes qui prennent d'autres traitements. Alors, docteur, des contre-indications, il y en a pour votre solution? Allô? Allô, docteur? Oui, oui. Est-ce qu'il y a des contre-indications? Vous avez suivi la question, je crois. Vous voulez répondre à cette question? Oui, oui. Oui, oui. Allez-y. Oui. Allez-y. Les contre-indications, mais dans tous les cas. Oh là là, malheureusement, on a des petits soucis. On va vous prendre au téléphone, comme ça c'est mieux. C'est mieux comme ça. Alors docteur, on vous écoute par téléphone. On vous écoute par téléphone. Allô docteur, vous m'entendez? Ah oui, je vous entends très bien. D'accord. Vous baissez juste le volume de votre ordinateur. Ce qui va nous permettre de ne pas avoir... Vous pouvez m'entendre à partir du téléphone, sans problème. Et nous, on pourra très bien vous entendre. Voilà. Allez-y, docteur. Vous avez entendu la question, j'espère. Oui, oui, j'ai entendu la question. Oui, je disais, en cas d'insuffisance rénale, on ne donne pas. Donc, voilà. Il y a aussi, dans le cas de maladies hépatiques,
que donc on va pas donner. Et aussi nous avons aussi l'évaluation clinique doit être très bien effectuée. Vie des bilans sanguins, plasmatiques ou qui doivent être beaucoup plus analysés avant de donner. Donc, on va regarder d'abord la créatinine, comme il sait, la clairance de la créatinine. On regarde aussi les albumines, ainsi de suite. Tous ces examens-là, ils doivent être effectués avant qu'on donne à quelqu'un ces traitements-là. Donc, c'est ça les contre-indications, les maladies hépatiques et les maladies rénales. D'accord, docteur. Gardez votre téléphone. Mais entre-temps, nous allons vous laisser partir, hein, parce que nous savons également que vous avez tellement des choses à faire. Mais l'avant-dernière question avant de vous laisser partir, est-ce qu'il y a quelque part où les gens peuvent lire vos publications? Nous savons que, par exemple, le docteur Raoult en France, hein, il a un site, il a quelque part où les gens peuvent suivre ce qu'il est en train de faire. Vous êtes notre professeur Raoult du Congo. Est-ce qu'il y a un endroit où on peut suivre vos publications, où les gens peuvent vous suivre sur les réseaux sociaux? Oui, Marius. Donc, j'avais d'abord, parce que j'étais rentré sur le continent, mon site internet n'était plus à jour, n'était plus actualisé. Donc là, il y a depuis un moment, il y a une équipe qui est en train d'y travailler vraiment pour toutes les publications. Mais il y a aussi une page Facebook. Il y en a les gens qui ont déjà déclaré plusieurs fois, signalé plutôt plusieurs fois sur Facebook. Mais il y a plusieurs comptes Facebook qui ont mis les gens, mis mon image. Mais là où vous allez voir qu'il y a une blouse blanche, donc il y en a deux. Donc là, vous allez voir, il y a deux. Je suis le vrai compte Facebook. Donc voilà, mais les sites internet, je crois qu'on m'a dit ça sera après, si demain ou après demain, parce qu'ils vont lancer. D'accord. Ça et peut-être on communiquera avec les gens sur ça. Docteur, je veux que vous sachiez que si vous avez besoin de parler aux Congolais, nous sommes là, nous allons suivre de très près votre périple à Kinshasa et nous vous souhaitons toutes les chances du monde. Vous avez tout notre soutien. Et nous espérons vraiment que vous puissiez réussir cette bataille. Comme je vous ai dit tout à l'heure, quand les journalistes étrangers viennent vous chercher, les gens y courent. Quand c'est des journalistes congolais, et ça vous a convaincu. Parce que vous vous êtes retrouvé dans la même situation que moi. Vous avez dit, Marius, on va faire cette interview. Je vais vous donner cette primeur. Merci beaucoup, docteur, pour ça. Vous pouvez toujours ouvrir votre micro. Je pense que maintenant, votre son peut passer. Parce qu'on peut vous voir. On vous écoute, docteur. On vous écoute, docteur. Merci beaucoup, Marius. Merci vraiment pour cette émission. Vous me permettez un peu de parler à la communauté, c'est pas seulement le Congolais, mais à les Africains qui suivent. Nous devons faire, je me rappelle d'un mot de Mary Patrice Lumumba qui disait « Lèvons-nous ». C'est maintenant que la solidarité africaine doit se matérialiser et se concrétiser. C'est le Covid-19, c'est une occasion pour valoriser nos valeurs et surtout sur le continent africain. C'est un message, j'interpelle, soutenez nos recherches. Parce que tout ce que je viens de vous rencontrer là, ça demande de moyens. Mais s'il y a d'autres personnes qui financent, c'est la main qui donne, c'est celle-là qui dirige. C'est la main qui donne, qui dirige. Aujourd'hui, les chercheurs travaillent en collaboration avec des communautés. Ils lancent seulement un projet, ils rentrent un projet, fait un financement participatif et il a seulement des comptes à rendre à ces gens-là. Si je suis financé par une... Vous avez besoin de combien? Marius, j'ai trois projets, par exemple, là, pour répondre à l'OMS. Et il y a un projet qui est évalué à 32 000 euros. Il y a un autre qui est évalué à juste 23 000 euros. C'est quoi le projet à 23 000 euros? Le projet à 23 000 euros, l'OMS, je venais de vous expliquer ici. L'OMS me dit, lorsque je donne l'Artemisia à une personne, la personne va faire de la résistance. Je voulais juste répondre scientifiquement à l'OMS en faisant un travail scientifique sur terrain, donc un essai, on appelle prendre... Je vais expliquer en quelques mots. C'est prendre le sang des personnes qui ont pris cela et analyser ça dans des grands laboratoires. C'est l'argent là, c'est ça payer les labos, c'est pas pour prélever les échantillons. C'est payer les laboratoires parce que ce sont les analyses moléculaires. Ça, on va aller sur la génétique de la personne, on regarde et on fait des réponses à l'OMS. C'est pour ça que vous avez besoin de 22 000 euros.
ce sont des projets type et action directe, en fait. D'accord. Parlez-en au président de la République quand vous y êtes. Ne soyez pas timide. Il en donnera beaucoup plus que ça. On vous souhaite bonne chance, docteur, hein, une très longue carrière. On a besoin de vous. Je veux que vous sachiez combien je suis personnellement fier de vous et tous les Congolais, en tout cas, qui vous auront suivi, sont fiers de vous. Vous avez notre soutien et vous y arriverez. On y arrivera ensemble. Courage encore, docteur. Merci beaucoup, Marius. Bonne soirée à tout le monde ou bonne journée chez vous. C'est pas bonne soirée. voilà. Et nous, on va dormir. Il est minuit. Allez, bon voyage à Kinshasa. À très bientôt. À très bientôt, Marius. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Voilà, donc, c'était le docteur Jérôme qui était en direct avec nous depuis Paris. C'est une exclusivité. C'est un Congolais. C'est pour vous dire combien on peut faire des choses aussi. Les Congolais, nous pouvons faire des choses. Mais il y a quelque chose que j'ai remarqué tout à l'heure. Et ça, je pense quelque part, d'une certaine façon, que ça fait partie de qui nous sommes. Je ne dis pas que tous les Congolais sont comme ça. Nous avons tout à l'heure entendu l'histoire d'un jeune médecin plein d'avenir qui est passé par des histoires qui aujourd'hui est une partie des solutions pour une population, même si ceci ne va pas arriver à la fin. Le président malgache a pris son idée, il est en train de mettre cette idée en pratique. J'ai donné tout à l'heure l'occasion aux gens d'appeler, de poser des questions au docteur. J'ai retenu deux choses. La première chose que j'ai retenue, c'était que les gens qui ont appelé, les premières posaient des questions, normal, parce que je comprends que quand on te donne l'occasion de poser une question à la télé, évidemment que tu vas droit au but, tu poses la question. La deuxième chose que j'ai retenue, avant la question, les deux autres intervenants ont montré aussi leurs compétences médicales, que je ne mets pas en doute et que je respecte. Mais il y a quelque chose que je n'ai pas vu. Je n'ai senti en aucun Congolais qui a appelé, juste un échantillon, une sorte de « Waouh, docteur, on est fier de vous, merci beaucoup, voici ma question. » Non. Et ça, c'est pour vous montrer un peu... Ceci n'est pas que dans le chez nous, hein. Peut-être moi aussi je suis comme ça. Mais ça montre aussi combien nous-mêmes Congolais, ne valorisons pas, ne soutenons pas nos talents, nos efforts, les nôtres. Je ne dis pas que les gens qui ont appelé tout à l'heure voulaient attaquer le médecin parce qu'ils voulaient voir s'il connaît. C'est très important, c'était très intéressant les questions qu'ils ont posées. Mais ce qui vient avant, c'est plutôt, ouais, moi aussi je suis médecin, mais vous savez qu'il y a ça qui fait ça, mais est-ce que vous savez que ça, c'est qui ? Nous sommes. C'est comme ça que nous réagissons dans la vie chaque fois qu'il y a quelqu'un qui fait quelque chose. Chaque fois qu'il y a quelqu'un qui avance. Chaque fois qu'il y a quelqu'un qui fait quelque chose de bien. Et c'est ça qui a fait que, au lieu que nous-mêmes puissions d'abord profiter des talents d'un Congolais, c'est d'autres gens, c'est d'autres pays, heureusement pour eux, qui en ont profité. J'espère que nous pourrions changer cette façon de faire. Que quand on fait quelque chose de bien, que ce soit en politique, que ce soit en journalisme ou en médecine, que quand quelqu'un d'entre nous fait quelque chose de bien, que nous prenions le courage de l'applaudir. D'abord, si nous savons que c'est bien, d'abord applaudir, félicitations, courage, nous sommes avec toi. Et ce n'est que quand nous allons commencer à faire ça, pour des petites choses, que nous allons voir nos talents émerger, d'autres aussi commencer à accepter nos talents. Je sais que nous le faisons, quelquefois, mais je voudrais lancer un appel à tous les Congolais à travers le monde qui suivront cette émission. C'est une occasion ici. Nous avons vu un documentaire qui avait été fait par ce médecin, par une chaîne pas congolaise.
Et chaque fois que les informations viennent de là, nous trouvons que c'est... Voilà. Et c'est lui qui était là, notre invité. Je sais que vous êtes nombreux à qui, si j'avais donné la parole, auriez peut-être dit ça. Bravo, docteur. Merci. Souvent, juste ça. Un merci. C'est de ça que nous avons besoin pour soutenir les nôtres. Faisons-les dans tous les domaines. Dans tous les domaines du monde. Et je pense que ça pourrait beaucoup nous aider. Ce médecin-là, il a besoin de sentir qu'il est Congolais. Il a besoin de sentir qu'il a fait quelque chose qui fait plaisir aux Congolais. Nous allons vous donner ses comptes, sa page Facebook. Soutenez-le, montrez-le que vous êtes avec lui. Montrez-le qu'il a raison d'être Congolais, qu'il doit être fier d'être Congolais. Voilà, je pense que c'est avec ça que nous allons finir cette émission. Je suis tellement fier de ce Congolais. Nous avons tous peur de ce virus. Peut-être que la solution vient de là. Qui sait? On va voir. On suivra de très près son périple à Kinshasa. Donc, nous sommes arrivés à la fin de l'émission Marius chez vous d'aujourd'hui. Si c'est pour la première fois que vous joignez à nous, nous vous disons un grand merci à... De nous avoir suivis. J'espère que vous avez aimé le temps que vous avez passé en notre compagnie. Nous sommes en direct, en fait, tous les jours, sauf les mardis et les jeudis. Demain, on sera en direct. Samedi, on sera en direct. Dimanche, on sera en direct. À partir des 16h d'ici, de Washington DC, 22h de Paris, 21h de Paris, 22h de Kinshasa. Merci de vous abonner à notre chaîne YouTube Marius Muhunga TV pour recevoir des notifications chaque fois que nous sommes en direct. Si vous avez des idées, des propositions ou des questions, ou si vous pensez que vous avez quelque chose de particulier à proposer à tous les Congolais qui nous suivent, notre adresse email est là, à mariuschezvous@gmail.com. Écrivez-nous pour nous dire ce que vous pensez que nous pouvons dire, si vous voulez être notre invité. Si vous avez des propositions, des suggestions pour améliorer aussi, la qualité de ce que nous vous proposons, n'hésitez pas de nous envoyer un email et nous essayerons donc de le lire et faire ce que vous voulez. Enfin, nous allons essayer de le faire. Sinon, un grand merci à vous tous de nous avoir suivis au nom de tous ceux qui chaque jour me soutiennent et me donnent l'occasion d'être chez vous. Je vous dis un grand merci de nous avoir suivis et j'espère vous retrouver demain à partir de 16h de Washington DC, 22h de Kinshasa et 21h de Paris. D'ici demain, portez-vous bien et surtout prenez bien soin de vous. J'ai dit, prenez bien soin de vous, lavez-vous régulièrement les mains, évitez les contacts, rapprochez, portez vos masques chaque fois que vous êtes en milieu public. Bonne soirée chez vous, merci et à demain. Au revoir. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.